Alors la traite à la main, c'est... Alors à un moment donné, on travaillait vraiment un peu plus à l'ancienne puisqu'on n'avait pas de corne à 10, pas de quai de traite. On travaillait par terre. C'était un peu plus fatigant. Maintenant, on a plus de contact avec l'animal, on a une meilleure proximité. Et au final, je pense que tout le monde s'y retrouve, que ce soit les chèvres ou nous. Le jour où il y aura trop de chèvres qu'on ne pourra plus le faire à la main, on mécanisera, mais pour l'instant, la question ne se pose pas. Tu fermes la porte de l'intérieur. Ouais. Parce que les princesses qui veulent rentrer. J'ai toujours vécu en Corse, toujours entre Propriane et Sainte-Marie. Donc, j'ai grandi entre la mer et la montagne. Je me suis lancé il y a 3 ans. C'est parti d'une volonté de vouloir faire quelque chose des terres familiales qui était à l'abandon. Donc, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire dessus que des chèvres, parce que c'est des terrains de montagne assez accidentés. C'est des terrains qui ne laissent pas la place à grand chose d'autre. Parce que c'est des terres assez pauvres avec du maquis dessus, et à part des oliviers et du maquis, il n'y a pas grand chose. Voilà. Les chèvres, c'était un peu l'évidence. Alors, c'est des chèvres corses. Puisque c'est celle qui est le plus adaptée aussi à notre territoire. C'est peut-être pas la plus facile à gérer et à conduire dans l'ensemble, mais c'est celle que je préfère. La chèvre corse, elle est, si on veut la résumer, elle est têtue, capricieuse, et elle a tendance à faire tout ce qu'il faut pas qu'elle fasse. S'il y a un endroit où il faut pas qu'elle aille, elle va y aller. Donc il faut souvent être derrière. C'est un animal qui demande de l'attention. À partir du matin ou du moment où on les lâche, d'après la traite, c'est-à-dire aux alentours de 7 heures, une fois que la traite est terminée, jusqu'au soir, jusqu'à 16-17 heures, ça dépend un peu de l'humeur du jour, et elles vont de la bergerie et descendent jusqu'au fleuve Barch et remontent jusqu'aux roches rouges. Donc ça fait un territoire assez vaste. Après, on a un super terroir au niveau du maquis, on a beaucoup de plantes aromatiques, on a beaucoup de choses qui sont intéressantes à ce niveau-là et que les bêtes pâturent, donc qui va apporter aussi cette spécificité à nos fromages, ce qui ne pourrait pas être réalisé avec des laits d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que le brooch n'est produit qu'en Corse et ne peut pas être produit ailleurs. J'ai toujours été passionné par le fromage. C'est depuis tout petit, j'ai grandi avec des fromages à tous les repas, et je me vois un repas sans fromage ou un repas sans vin, c'est pas un repas. Je préfère pas manger. Ici, on produit essentiellement de la tomme. C'est pas de la tomme pressée. On fait des pâtes. On n'est pas non plus sur des pâtes molles. On a mi-chemin entre les deux. Donc essentiellement des tomes, du brocho, et ensuite des crottins de chèvre frais quand on est en période hivernale jusqu'au printemps. On travaille un petit peu sur les crottins frais, après dès que les températures montent un peu, on arrête. Nous reviendrons largement sur ce débat en Corse du chef de l'État dans une édition spéciale sur la scène. Voilà, hop, c'est bon. Pas trop vite, c'est de casser ça doucement. Une certaine homogénéité dans le cahier, que ce soit, il n'y a pas des morceaux trop gros qui restent, tu vois, il y en a encore un peu,
On va y passer. Plus tu vas le casser fort, tu vas vraiment le battre, et plus tu vas envoyer de matière grasse et vers le broach, et plus tu vas le casser délicatement, plus tu vas faire un meilleur fromage, mais un broach un peu moins bon. Voilà, un peu plus sec. On essaie d'être entre les deux, d'avoir un bon fromage, un bon broach. Il y a des régions où ils privilégient vraiment le broach, et ils cassent vraiment le cahier très fort, ils le battent pour envoyer un maximum de matière grasse vers le petit lait. Et par contre, ils ont des fromages qui sont souvent très secs, mais ils ont un broach qui est phénoménal. Il faut choisir. Et pendant ce temps-là, on met nos fromages. Alors c'est pas des paniers, ça s'appelle des cajades. C'est du jonc de mer. Donc on a du mal à trouver, il y a plus grand monde qui les fabrique. Donc c'était une volonté aussi de travailler avec ces produits traditionnels. Ça apporte un petit plus au fromage, on va dire. Il n'y a pas de pesée de sel, il n'y a rien, mais on arrive à avoir une régularité sur les fromages quand même. Donc. Il faut faire ça délicatement, il faut faire vite, parce que sinon tu as une trop grosse disparité entre le premier que tu as mis dans ta balance à lever et le dernier qui appuie beaucoup plus que les autres au final. Parce que la manière dont tu vas aussi le jeter dans ta, ou le poser dans ta faisselle, c'est ce qui va un peu lui donner sa texture, et ça comme la purée à la cantine, ça marche pas. J'aime les fromages qui ont du goût, pas trop prononcé non plus, pas des fromages trop forts. Quand même, il faut qu'ils aient un petit peu d'affinage quand même. J'ai du mal à manger un fromage d'un mois et demi, il faut quand même qu'il ait du temps. Ici, on est sur une partie de mon exploitation, qui est la partie agrumes, on va dire, qui est sur la région de Propriane, sur Propriane, qui est un peu excentrée du reste de l'exploitation. Ici, c'est vraiment les agrumes, donc des clémentines, des pomelos, des oranges, essentiellement. C'est une plantation qui a été réalisée par mon grand-père en 60, donc c'est pas d'hier. Elle était à l'état d'abandon. Et je l'ai rénové petit à petit depuis 2-3 ans, depuis le début de mon installation. Et la seule relation qu'il y a avec les chèvres, c'est le fumier qui descend de la bergerie ici. C'est la seule relation qu'on pourrait faire. Parce qu'on risque pas de les faire pâturer ici, en 3 jours, il n'y aura plus de feuilles. Le prochain projet, on peut en parler, ouais, c'est la plantation de vignes sur Propria. Les vignes, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Mon grand-père avait des vignes à cet endroit-là, donc... Ça me tenait à cœur de le replanter à cet endroit précis. Voilà. C'est un endroit où beaucoup imaginaient du béton. Moi, j'y ai toujours vu des vignes et j'ai toujours vu de la verdure. Et je veux que ce soit comme ça et que ça le reste. C'est pas l'heure de l'apéro, c'est ça la question ?